Donc soyez les bienvenus pour cette troisième conférence de notre cycle sur la vulnérabilité. C'est de nouveau la foule des grands jours. Nous voyons avec soulagement Yann Plantier qui anime cette soirée. Nous avons donc cette troisième étape de réflexion sur la vulnérabilité qui va porter sur la question de la consolation, pour laquelle donc nous avons la joie d'accueillir Anne Lécu, qui est médecin en prison depuis 18 ans, à Fleury-Mérogis. On sent que ça fait un petit silence, hein, ça calme. 18 ans de prison, ça calme. Et puis elle n'a pas fini. Et donc, c'est son expérience principale, c'est son activité principale, mais elle est par ailleurs religieuse dominicaine et il lui arrive d'écrire des beaux livres. Et donc, c'est ces publications qui nous ont donné l'idée de te demander de venir nous parler ce soir, donc dans un cycle où nous avons déjà réfléchi sur la vulnérabilité avec M. Terechenko, la première soirée, et nous avons réfléchi sur la question des personnes adultes vulnérables avec les tutelles et les curatelles la semaine dernière, et puis nous terminerons la semaine prochaine avec Yann, une espèce d'apothéose finale. Donc nous prions pour que ce jour-là, il soit là, mais là, il est là, donc c'est une grande joie pour nous. Et tu as peut-être prévu de faire quelque chose de lumineux et d'incandescent pour démarrer. Et donc, est-ce que je donne la parole tout de suite à Anne, ou est-ce que tu veux... Je veux bien dire deux mots, mais... Non, mais la présentation, on a vu que c'est fait. Ben, je vais faire parce que c'était l'heure, quoi. On ne se refait pas. Oui, je veux bien dire deux mots. Donc, pardon, oui, ça va être rapide, c'est juste histoire d'honorer moi qui ai des charges. J'ai des problèmes de photocopieuse, je suis vraiment désolé. Donc, comme le disait Jean-Marie, nous poursuivons aujourd'hui ce cycle de conférences consacré au thème de l'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité. Je voulais juste faire très rapidement un petit récapitulatif de la semaine dernière. Je ne crois pas que vous étiez tous là. Je ne me souviens pas qu'il y a eu tant de monde. La semaine dernière, nous avons bénéficié d'une approche sociologique qui a tout à la fois tenté de penser le succès social de la notion de vulnérabilité, et puis les enjeux de la protection sociale des personnes reconnues en situation de grande vulnérabilité. De la semaine dernière, je retiens deux idées dont je vous fais part dès à présent. Première idée qui m'a semblé très importante, et dont je pense qu'il y aura une suite entre aujourd'hui et la prochaine fois, tout d'abord, je retiens du sociologue de la semaine dernière une mise en garde contre l'ambiguïté de l'emploi du terme de vulnérabilité. Ce terme, par un aspect, dessine la condition commune des hommes, nous sommes tous des personnes vulnérables, mais par un autre aspect, ce terme de vulnérabilité risque de passer sous silence les différences de situation sociale, les écarts réels de conditions de vie, les écarts réels entre les façons mêmes qu'ont les hommes de vivre. On risque de passer sous silence, au nom de la vulnérabilité, les difficultés sociales à vivre de certains hommes. Ça me semble important de le souligner. La deuxième idée forte que je retiens de la semaine dernière, c'est l'ambivalence du vécu à l'égard de la vulnérabilité, qui tantôt réclame assistance et tantôt revendique la possibilité de vivre différemment.
j'allais dire, presque dans un certain retrait à l'égard des exigences performatives de notre société. Avons-nous droit, entre guillemets, à la vulnérabilité, pas seulement sur le mode d'un ayant droit du fait d'être vulnérable? Si vous ne comprenez pas tout, c'était lié au travail de la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est cette notion, pardon, cette équivocité de la notion de vulnérabilité que nous allons continuer d'explorer en recevant donc Anne Lécu, qui a écrit entre autres un magnifique essai sur les larmes. Alors ça commence à dater un peu, de 3 ans à peu près. Septembre 2012. C'est ça. Il n'empêche que l'essai est tellement splendide que le temps ne passe pas, pourrait-on dire, et je vous encourage vraiment à lire cela. Dans cet essai, Anne, vous développez, je le dis comme ça, avec mes mots, pardonnez-moi, vous développez une sorte d'anthropologie du trouble. Le trouble ici ne s'opposant pas à la notion de pur, mais à l'idée de transparence. J'ai envie de dire, vous revalorisez l'idée du trouble. Ça me semble très très important. Si les larmes troublent parfois le regard, si elles empêchent parfois une sorte de rapport direct d'œil à œil, c'est qu'elles deviennent la manifestation, l'épiphanie de la profondeur de l'âme et de la profondeur de la relation. Les larmes troublent ce qui ne serait qu'une saisie superficielle pour mieux manifester l'épaisseur d'un mystère, pour mieux manifester l'énigme si difficile à déchiffrer de nos existences quand elles sont marquées par l'épreuve. Les larmes témoignent de la vulnérabilité des hommes, mais du même coup, elles appellent une véritable éthique de la consolation. Et c'est ce que nous espérons, que vous pourrez mieux développer ce soir. Anne Lécu, vous en savez quelque chose, puisque donc, comme le disait Jean-Marie Gueulette, vous êtes médecin à Fleury-Mérogis depuis 18 ans, c'est ça? Et donc, j'allais dire, et la vulnérabilité et la tente d'une présence consolatrice devrait vous trouver au rendez-vous. Donc nous sommes très heureux de vous écouter. Je vous redis juste les conditions. Vous avez à peu près une heure d'intervention environ. Puis nous faisons une petite pause de 5 minutes. Ceux qui le souhaiteraient pourraient à ce moment-là partir, mais ce serait dommage puisqu'ils se priveraient de la discussion. Et ensuite nous avons une petite heure de discussion tous ensemble en toute liberté. Merci. Merci beaucoup. Ça va comme ça, vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation, j'en suis très honorée. Et donc, je voudrais vous parler un peu de ces fameuses larmes et du contexte qui m'a amenée à essayer d'y réfléchir un petit peu. Le contexte, c'est qu'en prison, les larmes, c'est insupportable. Et c'est insupportable notamment pour les surveillants qui paniquent en se disant Madame Machin va se tuer parce qu'elle pleure, docteur, il faut la recevoir. Première étape. Deuxième chose, il m'est arrivé un certain nombre de fois en consultation de recevoir des femmes qui pleurent, et je me suis posé la question en me disant, il y a des situations qui ne m'émeuvent pas du tout, la jeune femme toxicomane qui pleure pour avoir du Subutex m'émeut assez peu, et en revanche, d'autres situations m'ébranle profondément. Et quelle est donc cette contagion qui fait que parfois des larmes, en quelque sorte, seraient presque contagieuses? D'où vient ce phénomène qui fait que quelque chose se passe à entendre les larmes d'un autre? Et puis la troisième raison qui m'intéressait beaucoup dans les larmes, c'est que c'est un phénomène qui est unifié, c'est-à-dire que les larmes ont toute une gamme de couleurs, de textures, de tension, il y a des larmes tendues, des larmes détendues, des larmes qui coulent à flot, des larmes qui sont toutes petites. Et cette gamme va sans rupture, sans solution de continuité, de la grande tristesse à la joie. Et donc sur cette gamme, toutes les émotions humaines peuvent être représentées. Et ça m'intéressait aussi d'essayer de mieux comprendre de quoi il s'agissait. Alors en guise d'introduction, je voudrais vous raconter 2 histoires. La première, et non, en préalable aussi, donc j'ai cherché un peu dans les textes philosophiques ce qui avait pu être écrit sur les larmes, et aux surprises, je n'ai pas trouvé grand-chose.
par une petite citation de Descartes parfois, qui explique que les larmes c'est un peu de la vapeur, c'est un mélange d'eau et de feu, bon, peut-être. Et Lévinas, qui effectivement lui est un philosophe qui s'est profondément intéressé au phénomène lacrymal. Dans les textes psychanalytiques, il n'y a grosso modo pas grand-chose, si ce n'est pour dire que les larmes, c'est une métaphore pour uriner, en gros, grosso modo. C'est peut-être un peu court, mais moi je l'ai trouvé cela. Et du coup, j'avais vraiment envie d'approfondir cette question. Donc, deux histoires en guise d'introduction. La première, c'est une histoire biblique, c'est l'histoire de Tobie. Tobie, c'est un homme juste qui, au péril de sa vie, n'hésite pas à enterrer les cadavres de ses compatriotes qui avaient été jetés sans sépulture au-dessus des remparts de la ville. Et ce faisant, il risque sa vie. Et pour lui, le soin du corps et de la dépouille d'un homme, le soin du corps au-delà de la mort, est une trace de la capacité à prendre soin des vivants. Tobie, le père, sait ce que c'est que prendre soin. Et voilà qu'un jour de fête, il enterre un homme qui vient d'être tué. Et du coup, la fête pour lui est finie, il est devenu impur puisqu'il a touché le cadavre et il doit rester dehors. Il est là, les yeux ouverts sur la nuit, attristé par la violence des hommes, et voilà qu'une fiente d'oiseau lui tombe sur les yeux, un dépôt se constitue et il tombe aveugle. Les taches blanches enveloppent sa vue dans la nuit, il va consulter des médecins qui aggravent la situation. Plus il m'appliquait d'onguent, plus les taches m'aveuglaient. Tobie 2, chapitre 2, verset 8. Sa vie bascule, tout devient difficile, mais l'histoire dira pourtant que si les yeux de Tobie le père ne voient plus, ils sont encore capables de pleurer. C'est très important, cette histoire, que les yeux, quelques poètes, c'est surtout en poésie qu'on va trouver cela, les poètes vont insister sur le fait qu'au bout du compte, si l'œil ne peut plus voir, quand il est aveuglé, il peut encore pleurer, comme si la nature de l'œil était plus encore de pleurer que de voir. Le père Tobie va envoyer son fils, Tobie, en voyage, chercher de l'argent chez un cousin, parce que lui-même ne peut plus l'accompagner, il est devenu handicapé. Et le fils s'en va. Et il va être accompagné par un compagnon de voyage qui s'appelle Raphaël, comme vous le savez, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Tout cela, c'est vraiment des histoires de soins. Archange bienveillant qui va à son tour incognito prendre soin du fils pendant que le père, lui, ne le peut pas. Alors bon, Tobie va ramener une épouse, Sarah, qui sera délivrée de démons de son voyage. Et puis il va ramener un remède pour guérir son père, du fiel de poisson, comme antidote à la fiente d'oiseau. Bien. Arrivé chez lui, il va appliquer l'onguent sur les yeux de son père, le laisser quelque temps, et puis de chaque main, nous dit le texte, vous irez voir, enlever une petite peau du coin de l'œil. Et alors, le père Tobie tombe à genoux et pleure, puis il dit à son fils, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Eh bien, à la lecture de ce texte, je me disais, qu'est-ce qui a rendu la vie aux yeux du vieux Tobie ? Est-ce que c'est l'onguent déposé par son fils ou est-ce que ce sont les larmes qu'il pleure au retour de son fils ? Est-ce que les larmes n'ont pas aussi nettoyé ses yeux ? Est-ce qu'elles ne sont pas aussi utiles que l'onguent ? Les yeux, même aveugles, peuvent pleurer et ce n'est pas si banal. Les larmes viennent des yeux, elles peuvent voiler le regard, le brouiller, le noyer, mais surtout elles peuvent couler à partir des yeux qui ne voient pas. Et c'est Derrida qui nous dit cela, comme si l'œil n'était pas seulement destiné à voir, mais aussi à pleurer. Derrida a écrit un très beau texte qui s'appelle « Mémoire d'aveugle » où il commente des portraits d'aveugles. Donc il a tout un commentaire sur les larmes des aveugles. Et ces larmes des aveugles nous murmurent que même les yeux noircis de nuit des aveugles voient quelque chose, d'inouï dans le trouble des larmes. Un poète anglais, Andrew Marwell, a cette même intuition lorsqu'il dit, je vous le dis en français, je n'oserais pas vous parler anglais, ça fera peur, « Qu'œil et larmes soient un, quand les yeux pleurent, les larmes voient. » Quand les yeux pleurent, les larmes voient. Eh bien, ce que je crois, c'est que lorsque quelqu'un pleure avec nous, devant nous, quand nous pleurons avec quelqu'un, nous percevons, je ne sais pas s'il faut dire voir, nous percevons quelque chose que nous ne pourrions pas percevoir dans un univers transparent, sans trouble, sans pathos. Première histoire, Tobie. Deuxième histoire, pour mettre en perspective ce propos, tout à fait autre, Balzac,
qui, dans un magnifique roman qui s'appelle « À la recherche de l'absolu », raconte une histoire tout à fait rigolote d'un savant fou qui pourrait être une métaphore du scientiste contemporain qui ne craint pas de décomposer les larmes. Alors, avant de vous parler de Balzac, je voudrais vous citer quelque chose de rigolo que j'ai trouvé sur Internet sur la très sérieuse Société française d'ophtalmologie lorsqu'elle décrit le phénomène lacrymal. Je cite intégralement, je ne sais pas si on le retrouve encore sur Internet, mais on doit trouver des explications un peu similaires. La balance lacrymale est l'équilibre obtenu en fonction des apports et des sorties. On peut imaginer un lavabo avec des robinets, entre parenthèses les apports, la vasque, entre parenthèses la fente palpébrale, et la vidange, entre parenthèses voie lacrymale d'excrétion. L'équilibre est rompu petit a, soit parce que les apports sont augmentés, robinet ouvert en grand, quelle qu'en soit la cause, petit b, soit parce que les voies lacrymales d'excrétion sont obturées, la sortie est bouchée par une balle, fermez la parenthèse. Rapidement, le niveau de larme va monter, puis déborder sur la joue. Ce larmoiement disparaîtra lorsqu'on fermera le robinet ou lorsque la tuyauterie sera débouchée. Vous voyez que la qualité poétique du texte de Toby et celle de la Société française d'ophtalmologie ne sont pas strictement les mêmes. Et donc Balzac, dans son génie, avait bien compris la vanité d'un tel propos et du coup il va raconter une histoire tout à fait digne d'intérêt d'un savant fou qui raconte devant sa femme délaissée, parce qu'il passe sa vie dans son laboratoire, donc sa femme est en larmes, elle pleure devant lui, et le savant fou dit à son épouse ceci. Alors, Balzac raconte, le visage du savant parut alors à sa femme plus étincelant sous le feu du génie qu'il ne l'avait été sous le feu de l'amour, et elle pleura en l'écoutant. Alors il parle, le savant. J'ai combiné le chlore et l'azote, j'ai décomposé plusieurs corps jusqu'ici considérés comme simples, j'ai trouvé de nouveaux métaux. Tiens, dit-il, en voyant les pleurs de sa femme, j'ai décomposé les larmes. Les larmes contiennent un peu de phosphate de chaux, de chlorure de sodium, du mucus et de l'eau. Il continua de parler, sans voir l'horrible convulsion qui travaillait à la physionomie de Joséphine. Il était monté sur la science qui l'emportait en croupe, elle déployée, bien loin du monde matériel. Et il conclut son discours, toujours sans voir que son épouse pleure. Cette analyse, ma chère, est une des meilleures preuves du système de l'absolu. Bien. Et donc, voilà le paysage de fou. Mais de quel absolu parle-t-il? En quoi la science, cheval fou, va-t-elle consoler son épouse en pleurs? En quoi la pensée a-t-elle avancé dans la compréhension des larmes, quand on lit ce que dit la Société française d'ophtalmologie, ou quand on lit le discours du savant fou? N'est-il pas finalement aveugle, cet homme qui sait ce que sont les larmes, de l'eau, du sel, du chlore, mais ne voit pas les larmes de sa compagne, ce savant qui peut les analyser mais non les essuyer? Que sait-il vraiment? Est-ce que Hippocrate, qui savait distinguer les larmes de mauvais pronostics des autres, n'en savait-il pas plus que lui? La décomposition du vivant, fût-ce dans les larmes, ne conduit-elle pas au cadavre? Voilà la toile de fond. Alors je vous ai mis un petit plan pour que on essaye de s'y retrouver, je vais essayer de le suivre. Dans un premier temps, essayer de brosser une sorte de tableau historique, un peu caricatural, vous n'en voudrez pas, sur les différents rapports des larmes selon l'histoire. Parce qu'en fait, tout le monde ne pleure pas, enfin, toutes les époques ne pleurent pas. Il y a des époques avec les yeux secs, il y a des époques qui pleurent beaucoup. Et en fait, je pense que les larmes disent un peu quelque chose de l'esprit du temps. C'est intéressant, du coup, de s'y attarder. Par exemple, juste à titre anecdotique, il y a un médecin de Louis XIV qui s'appelait Marin Curot de la Chambre qui a écrit un traité complet des larmes qui fait... 400 pages qu'on trouve sur le site Gallica, et donc il s'est interrogé sur qu'est-ce que c'était que les larmes, etc. J'ai appris au passage, en lisant ce texte, que ce que c'était que les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile, c'est parce que les crocodiles gémissent, on croit que c'est un enfant qui pleure, on s'approche pour sauver un enfant, et là, vous vous faites manger. Voilà. Donc j'ai appris les larmes de crocodile par monsieur Marin Curot de la Chambre. Et il disait quelque chose de très intéressant, il disait notamment que les larmes, pour lui, sont le sang de l'âme. Et ça, ça mérite, peut-être qu'il en connaît plus sur les larmes que le savant fou de Balzac. Alors beaucoup de textes ont décrit, ça je reviendrai pas là-dessus, la tension, il y a enfin, essayé de décrire les larmes selon leur consistance, est-ce qu'elles sont abondantes ou pas abondantes, est-ce qu'elles sont tendues, détendues, etc.
Mais au bout du compte, toutes ces descriptions qui essaient de classifier les larmes nous apprennent assez peu de choses sur le phénomène comme tel qu'elles sont. Ça nous apprend assez peu pour savoir pourquoi l'un va pleurer et l'autre non, pourquoi elles sont retenues à certaines époques et encouragées dans d'autres. En fait, aujourd'hui, nous sommes pris dans un étau. D'une part, publiquement, il faudrait surtout ne pas souffrir, ou plutôt ne pas montrer ses larmes, et au besoin prendre 1000 pilules, magiques, antalgiques, psychotropes, pour éviter la peine. Car les larmes inquiètent, et elles déstabilisent. En tout cas, elles sont perçues comme quelque chose de dangereux. Et d'autre part, la somme des larmes versées de par le monde est un motif de vertige, dès lors qu'on s'y arrête. Et c'est Chantal Thomas qui a écrit des textes assez beaux, dont celui-ci qui s'appelle « Souffrir », qui précise que si le monde nous échappe par excès de souffrance, on peut aussi le manquer par avarice de larmes. Alors d'où vient cette avarice de larmes? Est-ce qu'elle vient de notre indifférence à la souffrance d'autrui? Est-ce qu'elle vient de notre appétit de transparence qui tendrait à gommer ce qui trouble? Ou bien, s'il est vrai que les grandes souffrances sont sèches, est-ce que nous sommes dans une époque dure ou durcissante? Ou bien est-ce qu'elle viendrait de cette vieille maladie des moines, qui est peut-être une vieille maladie de l'homme que l'on nomme l'acédie, dont je parlerai tout à l'heure? En prison, puisque c'était ça mon sujet de départ, la situation classique, c'est que quelqu'un pleure, le surveillant s'inquiète et va nous dire « Écoutez, docteur, il faut la voir parce que peut-être il y a un risque de suicide. Est-ce qu'elle est vulnérable ?» Bon, nous, on va voir la patiente et puis faire ce qu'on a à faire. Et alors là, il n'est pas rare que les surveillants décident un dispositif qui s'appelle la mise en surveillance spéciale, qui consiste à réveiller les gens toutes les 2 heures pour être sûr qu'ils dorment. Donc si vous n'étiez pas déprimé avant, vous êtes en général déprimé après. Et pire, on peut aussi vous mettre dans une cellule lisse qu'on appelle une cellule de protection d'urgence, une CPRO-U, avec des murs sans attache, donc sans télévision, pour éviter que vous puissiez vous pendre. Et puis on va également vous donner un kit anti-suicide constitué de draps papier et de couvertures ignifugées. Donc une fois que vous avez passé une ou deux nuits comme ça, si vous n'aviez pas envie de vous tuer, après c'est sûr, vous avez un temps. C'est ce qu'on appelle la prévention du suicide en prison. Je suis ironique dans ma manière de le décrire, mais hélas, c'est assez proche de la réalité. Parenthèse fermée. Donc, si on reprend l'histoire des larmes, on peut constater que dans l'Antiquité, l'Antiquité grecque, celle que nous connaissons le mieux, l'Antiquité biblique, c'est tout à fait autre chose, comme on en parlera tout à l'heure, l'Antiquité grecque se méfie des larmes qui sont un signe de faiblesse. Elles viennent troubler l'harmonie de l'âme et elles signent en l'homme la présence des passions, lesquelles passions ne sont pas dominées si on laisse couler nos larmes. Et Platon va rapporter que c'est Socrate lui-même qui critique les larmes de ses amis qui assistent impuissants à son empoisonnement. Il y en a quand même, il y a Phédon notamment qui pleure beaucoup, qui s'effondre littéralement, et qui pleure sur lui-même, lit notre texte, en pensant aux compagnons qui lui étaient arrachés. Le fait de pleurer sur soi-même est sans doute considéré comme une passion. Et du coup, Socrate s'étonne en disant « Mais que faites-vous là? Vous êtes étonnant. C'est surtout pour cela que j'ai renvoyé les femmes. » Pour éviter que de leur part semblable fausse note. Car j'ai appris qu'il faut mourir avec des paroles heureuses, alors soyez calme et soyez courageux. Tout le monde emballe son mouchoir en essayant ses larmes, un peu honteux. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme évocation des larmes dans l'œuvre de Platon. Les stoïciens, un peu après, vont aggraver cette tendance parce qu'ils vont thématiser la lutte contre les passions et donc la lutte contre les larmes qui impose maîtrise et contrôle de soi. Marc Aurèle, par exemple, va affirmer qu'il est désormais en son pouvoir, qu'il n'y ait en son âme aucun trouble. Et afin de reprendre la main sur les événements qui échappent, le stoïcien revendique 2 attitudes, que je vous ai mises, je crois, l'apatheia, donc ne pas être soumis aux passions et ne pas souffrir de ce sur quoi on ne peut rien, et l'ataraxia, ne pas être troublé. Et vous noterez que dans les molécules que nous utilisons aujourd'hui à visée anxiolytique, l'hydroxyzine a été baptisée Atarax, parce que sans doute il y a un helléniste distingué qui travaillait pour le labo et qui a proposé ce nom-là. Donc les larmes sont par excellence un pâtir, peut-être la trace d'une passion et un trouble. Qui peut pleurer, peut-être passionné, souffrir, se réjouir, vivant, comme la mer agitée? Est-ce que c'est seulement une faiblesse? Peut-être que non. À l'époque moderne, à la fin de l'Ancien Régime, donc je vous disais que le médecin Louis XIV a fait un traité des larmes, c'est donc sans doute que c'était un sujet intéressant, et jusqu'au romantisme de Lamartine, les larmes coulent à flot.
un spectacle où on ne pleure pas est un spectacle raté. Mais au moment de la Révolution française, certains auteurs commencent à dire qu'il semblerait souhaitable de critiquer cette pitié que l'on peut feindre, que l'on peut acheter, et surtout on se méfie de ceux qui pleurent trop sur le sort des royalistes, en trouvant ça un petit peu suspect. Donc progressivement, alors il faudrait, je pense, faire un vrai travail d'histoire, que moi je n'ai pas du tout la compétence de faire, mais au moment de la Révolution française, des larmes se tarissent. Il me semble que les larmes se tarissent avec la modernité, en fait, avec l'époque moderne qui commence sans doute bien avant la Révolution française, peut-être avec Galilée, enfin ne rentrons pas là-dedans. Toujours est-il que la modernité apporte un tarissement des larmes. La pudeur se transforme en aridité, comme si le changement de système politique avait des retentissements jusque dans l'expression lacrymale. Comme si finalement c'était une nouvelle conception de l'intime qui voyait le jour, une sorte de mutation anthropologique. Alors, il y a des exceptions, l'œuvre de Rousseau par exemple est abondante en larmes de toutes sortes, où il pleure sur lui-même, etc. etc. Et il invite le lecteur à pleurer avec lui, et donc les lecteurs de Rousseau lui écrivent en disant « Cher monsieur, j'ai beaucoup pleuré à la lecture de vos confessions, etc. » N'empêche qu'après, la modernité commence à être un petit peu plus sèche, à tel point qu'on pourrait se demander si les larmes n'incarnent pas le conflit entre modernité et tradition. Notamment, l'émancipation des femmes s'accompagne d'un renoncement aux larmes. Alors, il y a un auteur qui est tout à fait intéressant et étonnant là-dessus, c'est Darwin, qui va apporter de l'eau au moulin scientiste, parce que pour lui, la disparition progressive des larmes à l'âge adulte évoque la disparition des larmes dans les nations civilisées. Donc, en gros, il va nous dire que plus l'homme est civilisé, moins il pleure, et finalement, les larmes sont une lâcheté indigne réservé aux sauvages, qui lui verse d'abondantes larmes pour des causes extrêmement futiles, dit-il. Si ça vous intéresse, c'est dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, que l'on peut aussi trouver sur le site de Gallica. Alors Darwin va nous dire, finalement, l'enfant pleure, alors que l'adulte maîtrise ses larmes, et le progrès de l'humanité, ce serait le passage du sauvage à l'homme civilisé, qui s'accompagne de l'effacement progressif des larmes. Manière d'entendre que ceux qui pleurent encore, à savoir les enfants, les femmes et les primitifs, ont encore un peu de chemin à faire avant d'être des hommes matures et responsables. Donc le progrès, l'âge adulte de l'humanité, ce serait donc d'avoir les yeux secs. Mais est-ce que c'est sûr que ce soit un progrès? Alors nous en arrivons à notre contexte actuel, qui pourrait bien être une modernité aux yeux secs. Je crois que j'avais préparé une grosse blague que j'ai ratée, c'est bien dommage. Aujourd'hui, on ne pleure pas parce que c'est interdit, mais par exemple, vous ratez votre tarte à Masterchef, et là, vous pleurez à la télévision devant tout le monde. Donc c'est assez étrange. Je pense que si quelqu'un avait le temps de faire un parallèle entre ces télé-réalités et l'œuvre de Rousseau, et notamment les confessions de Rousseau, il y aurait peut-être des trucs un peu à creuser. Un jour, ça m'intéressait, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher davantage. Un jour, peut-être. Donc, notre modernité a les yeux secs. Et notre modernité, elle est envahie, comme on le sait, enrichie, selon les avis, de multiples dispositifs qui ont rapport avec la vue. Donc, des caméras de surveillance, qui, selon l'enjeu politique, vont s'appeler des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, des écrans divers, télévision, ordinateur, téléphone, appareils photo, scanner. Il est incontestable que l'espace social est dominé par la vue. Cette inflation du voir et de ses dérives avait été évidemment parfaitement perçue par George Orwell dans son roman 1984, où, comme vous le savez, le pouvoir de Big Brother s'appuie sur le contrôle par la vue. Tout doit être visible, clair, transparent, non troublé, sans pathos et donc a fortiori sans larmes. Une sorte d'œil unique, une sorte sec, une sorte de cyclope à la vision monoculaire, plate et sans relief, la webcam, la vidéosurveillance, l'œilleton carcéral à la vision monoculaire, l'endoscope pour les soignants, s'enracine dans cette utopie, et c'est une utopie qu'en prison, tous les jours, on côtoie. Il faut voir pour savoir, et savoir pour contrôler, prévoir, maîtriser, traiter, gouverner. La prison est dominée par ce paradigme depuis Bentham, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est que l'administration pénitentiaire dans son ensemble, le surveillant individuel avec qui on discute, c'est bien que c'est pas vrai. Mais l'idéologie de l'administration pénitentiaire depuis la naissance de la prison, c'est qu'on va surveiller les gens et que plus on les voit, plus on va prévenir la délinquance. Sauf que ce n'est pas vrai, ça ne marche pas.
Et donc tout ce dispositif va introduire, donc celui qui est vu ne voit pas, le truc typique c'est l'œilleton en fait. L'œilleton, celui qui est vu ne voit pas. Je pense qu'on peut décliner la même chose en médecine sur tous les dispositifs optiques, d'imagerie. Et moi j'ai eu cette expérience tout à fait étrange, qui est qu'un jour vous faites un scanner, alors moi j'ai eu un jour un scanner, très bien, et en rentrant de l'hôpital avec mon scanner dans mon sac, je me disais, c'est quand même bizarre en fait, il y a à la fois mon corps dans mon sac et à la fois là-dedans. Et pour autant, je n'ai pas accès, je suis médecin, je suis capable de lire des images, mais comme ça me concerne moi, je suis incapable d'avoir accès à ces images qui sont dans mon sac. Autrement dit, je peux comprendre de façon abstraite de quoi il s'agit, mais je ne peux pas comprendre existentiellement de quoi il s'agit. Donc il y a une sorte de torsion, de disjonction entre voir et être vu. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne puisse jamais soigner sa famille, à mon avis, pour cette raison-là. Et donc la médecine, comme souvent dans l'histoire de la pensée, va être exemplaire, c'est pour ça que c'est intéressant de penser ses pratiques professionnelles, va être exemplaire de son époque. Et donc ce n'est pas étonnant du tout qu'elle soit elle-même marquée par la domination de dispositifs qui insistent sur la vue. Et donc, en fait, compte, notre modernité actuelle est très marquée, alors évidemment en prison plus qu'ailleurs, donc je vais un peu insister là-dessus, par la pensée utilitariste qui est issue du philosophe Jeremy Bentham, qui a vécu de 1748 à 1832, qui en est un des représentations les plus célèbres. Il y a eu d'autres philosophies utilitaristes qui sont peut-être moins caricaturales que celle de Bentham. Je vais présenter celle de Bentham qui est caricaturale, pardonnez-moi. L'utilitariste veut philosophie morale, parce que l'utilitariste a pour ambition de lutter contre l'arbitraire des passions et contre l'intérêt personnel égoïste. Et donc dans cette théorie et dans cette philosophie morale, il n'y a pas de place pour le trouble ni pour les larmes. Grossièrement, on pourrait donner trois traits principaux pour caractériser cet utilitariste. Je vous les ai mis. Il réduit la question du bien et du mal à celle du bien-être et du mal-être. Tout plaisir est un bien et toute peine est un mal. Donc il va s'agir de rechercher le plaisir et le bien-être et d'éviter la peine et le mal-être. Première vue, on n'a rien contre, a priori. Il est difficile de trouver à y redire. Néanmoins, il me semble qu'avec cette dégradation du bien et du mal en bien-être et mal-être, on se prive de penser, par exemple, l'épreuve, dans laquelle peut coïncider à la fois la souffrance et une vie malgré tout sensée. On a tous vécu un jour ou l'autre un deuil où on est à la fois malheureux de la perte de quelqu'un qu'on aime et en même temps apaisé de la joie de l'avoir connu. Eh bien, dans l'utilitarisme, si le bien c'est le bien-être et le mal-être, on ne peut pas faire coïncider les deux ensemble. L'utilitarisme suggère qu'il ne faut pas souffrir. Et on imaginerait presque Orwell incluant dans son roman un article de loi stipulant qu'il est interdit de pleurer. Il aurait pu le faire. Deuxième critère, le critère du bien et du mal est la maximalisation du bien-être. Autrement dit, une société va être estimée juste si la somme des gens heureux et la somme des moments de bonheur est supérieure à la somme des gens malheureux ou des moments de malheur. Il va donc falloir calculer le bonheur et trouver des critères évaluables pour ce faire. Le truc typique, c'est la consommation des ménages, aujourd'hui. On va vous dire, le moral des Français est en baisse parce qu'ils consomment moins. Moi, personnellement, quand je ne vais pas bien, je consomme plus. Pas vous. Déjà, je ne suis pas complètement sûr que ce soit valable. En tout cas, on va chercher des choses, des critères, des dispositifs évaluables, mathématisables. Est-ce à dire qu'il faudrait mesurer les larmes, installer des petits lacrymomètres dans les écoles, les entreprises ou les prisons pour mesurer le moral des personnes et dépister les dépressions, voire les suicides? Sur la prévention du suicide, je vous dirai peut-être tout à l'heure quelque chose d'assez étonnant. Troisième caractéristique de l'utilitarisme, il s'appuie donc sur des mesures et des évaluations, il va donc falloir trouver ce qui est mesurable. Cela signifie que tout ce qui n'est pas évaluable disparaît des éléments pris en compte. Alors ça, je pense qu'on connaît tout ça dans nos lieux professionnels, où que ce soit, les évaluations, les dispositifs de, comment ça s'appelle, de certification et compagnie, on est complètement là-dedans. Donc nous, les infirmières, par exemple, elles doivent maintenant rentrer chacun de leurs actes
dans l'ordinateur, donc combien de temps elles ont mis pour faire des pansements, combien de temps elles ont passé en entretien avec les détenus. Et il y en a une qui me dit, et le temps que je passe à remplir tout ça à l'ordinateur, je le mets où? Ça, c'est pas prévu. C'est bizarre. Parce que c'est quand même aussi une énorme perte de temps. Et donc, du coup, la qualité de présence, un autre exemple tout à fait exemplaire, si je puis dire. Un jour, je reçois la visite, à l'époque, c'était pas les ARS, c'était la DRAS, qui vient voir comment ça se passe les soins en prison. Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Alors déjà, ça commence de façon assez rigolote, parce que j'ai le bureau du psychiatre qui doit être à peu près à la place du mur, et moi le mien ici, c'est-à-dire on n'est pas très loin, et donc on s'entend assez bien et on se parle. Bon, il y a encore, on peut travailler ensemble. Et donc le médecin de la DRAS vient voir mon collègue psychiatre en lui disant « Mais docteur, vous n'avez pas d'ordinateur, comment faites-vous pour communiquer ?» Donc le psychiatre lui a répondu « Vous savez, nous utilisons un vieux moyen qui s'appelle la parole, et finalement, ça marche assez bien. » Donc moi, elle vient me voir, donc j'avais déjà été briefée sur le coup de l'ordinateur, bon, et elle me dit « Docteur, je ne comprends pas, donc vous n'avez pas d'ordinateur, comment faites-vous pour coder les actes ?» Le codage des actes, effectivement, nous, on va être obligés d'y passer comme les autres, mais pour l'instant, non. Et donc, je prends le premier exemple qui me vient à l'idée, je dis « Vous savez, coder la consultation de quelqu'un qui pleure, c'est un peu compliqué quand même. » Elle me dit « Mais non, pas du tout, c'est un trouble de l'humeur. » Donc je me suis dit « Oui, ça peut être aussi enfant à 4000 km, je suis en prison, voilà, enfin, il peut y avoir d'autres raisons que ça. » Et donc on voit tout de suite qu'il faut coder, il faut une procédure, il faut un dispositif, et finalement les conséquences d'une action et les procédures vont être plus faciles à évaluer que les intentions d'une personne ou son caractère, et finalement, dès lors que la procédure est respectée, peu importe les conséquences, on va juger la procédure. Et donc si nous sommes, on va juger la procédure en observant si tout le dispositif est bien mis en place. Voilà. L'inflation panoptique, le fait de surveiller, ça a une autre conséquence aussi, qui est que tout ce qui arrive en prison arrive finalement, est un bon exemple de ce qui va arriver à la société dans son ensemble. C'est comme une loupe qui nous prépare à ce qui va arriver à tout le monde. Donc dès lors qu'on commence à surveiller les détenus en se disant « plus on les surveille, moins ils vont faire de bêtises parce qu'ils sont des coupables potentiels », il ne faut pas qu'on s'étonne après que ce dispositif soit élargi partout et que finalement la vidéosurveillance qu'on essaye de déguiser en vidéoprotection ne veut rien dire d'autre que nous sommes des coupables potentiels qu'il faut surveiller au cas où nous commettrions une infraction. Donc la présomption d'innocence dans le dispositif panoptique, elle est un petit peu mise à mal. Et donc l'utilitarisme s'intéresse à tout ce qu'on peut mettre dans une grille. Et donc il s'agit, vous connaissez sans doute très bien le manuel statistique, diagnostique et statistique des troubles mentaux états-uniens, le DSM-4, désormais 5, qui avait initialement pour fonction de faire une sorte d'état des lieux statistique des maladies mentales, et qui devient le manuel de référence en psychiatrie, parce qu'au bout du compte, on va tout calculer en termes de symptômes classés sur le plan statistique et diagnostique. Voilà. Et donc ce qui ne rentre pas dans la grille n'existe pas. À tel point que du coup on en arrive à médicaliser des troubles de l'existence, de la souffrance existentielle, et par exemple les larmes dans le DSM-5 sont rentrées comme troubles de l'humeur, et donc on va pouvoir prescrire des médicaments pour que les gens pleurent moins, etc. Donc on en arrive à médicaliser de la souffrance existentielle qui n'est pas pathologique. Et en ce faisant, on raisonne à l'envers, en fait, parce que si les larmes sont un symptôme de dépression, ça ne veut pas dire que tous ceux qui pleurent sont déprimés. Alors les conséquences de cet utilitarisme, grosso modo, j'en ai mis trois, histoire de schématiser un peu. Tout d'abord, la prééminence de la vision sur les autres sens va entraîner que ce qui est de surface est plus important que ce qui est de profondeur. On va s'intéresser à ce qu'on voit et on ne va pas s'intéresser à ce qu'on ne voit pas. Et du coup, je crois qu'on rate les larmes à en faire un objet d'étude sans soi-même être pris dedans. Peut-être qu'on ne peut comprendre les larmes que quand soi-même on est pris dans l'émotion qu'elle provoque, dans le phénomène lui-même. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de me dire qu'est-ce qui se passe quand je suis troublée, sans forcément pleurer, mais que je suis troublée des larmes de quelqu'un en face de moi.
Peut-être j'apprends quelque chose sur les larmes dans ce trouble que je ne comprends pas dans la stricte observation du phénomène ophtalmologique. L'éploré lui-même ne sait pas ce que sont ses larmes, mais il est saisi par elles et il sait que c'est vrai ce qui lui arrive. Il y a un rapport entre les larmes et le sentiment d'authenticité qui est lié, dans lequel on est pris quand on pleure. Donc, premier danger de l'utilitarisme, n'en rester qu'à la surface. Le deuxième, c'est que, donc, comme je vous disais, tout est dominé par la quantification, le calcul, la valeur. Et la conséquence de cela, c'est qu'on va décomposer les phénomènes, les analyser pour les quantifier, exactement ce que fait le savant fou de Balzac, qui dit « j'ai décomposé les larmes ». Et dans cette conception, alors ça c'est à mon avis assez important, la vérité relève exclusivement de l'exact. On confond vérité et exactitude. Or, il se pourrait bien que la vérité, en tout cas en philosophie, la vérité n'est pas synonyme d'exactitude. Donc du coup, si la vérité c'est l'exact, on va considérer comme vrai tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut quantifier et donc prévoir et donc maîtriser. Donc l'utilitarisme préfère l'espace qui est mesurable au temps. La durée intérieure, ce n'est pas un truc qu'on peut tellement mesurer, hein, nous dira Bergson. Devant les larmes d'un détenu, on va d'abord se demander est-ce qu'il y a un risque suicidaire ? Mais on ne va pas se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ici ? Est-ce que je peux changer quelque chose ? Est-ce qu'il vous arrive ? Troisième conséquence, l'utilitariste est rétif au changement. Il est comme aveugle devant tout ce qui n'est pas la surface. Et donc, j'ai une directrice de la prison qui m'avait sorti une fois une formule assez exceptionnelle, qui pourtant était une dame très bien, et qui a parlé des protocoles et des machins, elle voulait faire un livret d'accueil pour les détenus, en disant, finalement, il y a des surveillants qui ne vont pas raconter bien comment se passe la prison, il faut un truc objectif, et elle nous dit, il faut supprimer le facteur subjectif. Bien, je crois que l'ambition de l'utilitariste, c'est de supprimer le facteur subjectif, c'est-à-dire d'évaluer l'acte ou bien la procédure, et non l'acteur qui n'est jamais complètement fiable. Et c'est-à-dire, ça part d'un souci d'équité, hein, pour qu'un processus puisse se dérouler toujours de la même façon, le système va chercher à reproduire toujours la même chose. C'est ça la procédure. Et donc il faut établir une règle et des procédures indépendamment de l'évaluateur. Voilà. Et donc on en arrive à cette espèce d'aberration où on va évaluer la procédure au lieu d'évaluer la situation. Truc typique pour nous, c'est la prévention du suicide. Donc la procédure, c'est cellule de protection d'urgence, surveillance toutes les 2 heures pour être sûr que les gens sont vivants, pyjama papier. Mais de se demander pourquoi les gens, ils ont envie de se tuer, on va répondre simplement en termes techniques, il ne faut pas qu'ils s'accrochent à la télé. Mais on ne va pas se dire que peut-être qu'il s'agirait de répondre à leurs demandes quand ils font des demandes et qu'ils n'ont pas de réponse. Voilà. Donc il y a une sorte de réponse technique. Et si tout est fait bien, c'est-à-dire si la personne qui s'est suicidée, elle a été mise en surveillance spéciale, qu'elle avait son pyjama papier et qu'elle était en cellule de protection d'urgence, si elle s'est tuée avec son pyjama papier, ce n'est pas grave, la procédure est respectée. Et c'est arrivé que des gens se suicident avec leur kit anti-suicide. Hélas. Donc vous voyez bien cette espèce de délire, il y a un moment où là on est dans un truc délirant, de folie, quoi. Et sur la prévention du suicide, une autre histoire folle et réelle, hein, si ça vous intéresse beaucoup, j'ai passé des psychiatres parmi vous, il y a un rapport de l'INSERM de 2008, que vous pourrez consulter en ligne, qui s'appelle, je crois que c'est sur la postvention, le nom du rapport c'est encore mieux, ça s'appelle l'autopsie psychique, ou l'autopsie psychologique. Donc l'idée c'est de dire, quand il y a quelqu'un qui s'est suicidé, on va faire une enquête dans l'entourage, de façon à reconstituer a posteriori la psychopathologie de la personne décédée en fonction des catégories diagnostiques et statistiques du DSM-4-5. Et du coup, lorsqu'il s'agit de suicides en entreprise, c'était au moment des suicides chez Orange et France Télécom, on va pouvoir dire à l'entreprise, mais pas du tout, monsieur Orange, vous n'êtes pas en cause, puisque monsieur machin avait quand même un peu des troubles bipolaires ou je ne sais quoi, et donc en fonction des troubles reconstitués a posteriori, on pourra dédouaner l'entreprise. Donc il y a même des sociétés qui ont fait affaire en conseillant des entreprises sur la postvention. On appelle ça donc l'autopsie psychique. Et dans ce rapport sur l'autopsie psychique, il y a un chapitre qui s'appelle « Question éthique », quand même ils n'ont peur de rien, dans lequel les scientifiques, dont un monsieur, le docteur Terra, qui a écrit un certain nombre de rapports sur le suicide en prison, et donc
dans ce rapport, il propose, dans le chapitre éthique, de constituer des cérébrothèques de psychiatrie en faisant des prélèvements de cerveau de suicidés, de façon à confectionner une banque qu'on pourrait congeler pour un jour éventuellement trouver le gène du suicide. Et alors il se pose la question en se disant, c'est quand même surprenant que le comité consultatif national d'éthique refuse qu'on essaie d'expérimenter cette cérébrothèque de psychiatrie, parce que ce serait quand même très intéressant. Donc ça c'est dans le chapitre 5, hein, qui s'intitule « Considérations méthodologiques et éthiques appliquées à l'analyse des corrélats biologiques ». Voilà, donc il se pose des questions éthiques. Un prélèvement de tissu biologique est-il autorisé chez un sujet décédé par suicide qui n'a pas pu donner son consentement? Par exemple, le fait de ne pas connaître l'opposition du sujet décédé s'applique-t-elle à ce type de recherche? Et dans la mesure où le délai de prélèvement doit être court, le consentement des proches pourrait-il intervenir a posteriori? C'est-à-dire une fois le prélèvement réalisé, avec destruction du prélèvement en cas de non-obtention du consentement. Bien. Donc, ce sont des gens de l'INSERM, quand même. C'est censé être sérieux, l'INSERM. Hein. Et alors, le Comité consultatif national d'éthique a donné quand même un avis défavorable à la constitution de cette cérébrothèque de psychiatrie. Et les auteurs regrettent clairement, alors je peux vous citer l'avis, hein, qui dit... que la réalisation de ces prélèvements avant tout consentement est en contradiction absolue avec la loi. La situation du suicide ne permet pas de dérogation à la loi. Merci. Et les auteurs du rapport d'INSERM regrettent, parce qu'il y aurait selon eux un très grand intérêt scientifique à pouvoir mener des recherches biologiques et génétiques pour des patients présentant des conduites suicidaires graves, ce qui inclut les sujets suicidés. La formule est exceptionnelle. On se demande très bien quel serait le très grand intérêt scientifique pour les sujets suicidés. Voilà. Rapport de l'INSERM 2008. Il y a même un chapitre sur le suicide en prison, chapitre 7, et là encore, ils disent, je cite, parce que c'est mieux en vrai quand même, que ce qui serait bien, ça permet, enfin, le fait de faire ces prélèvements, ça permettrait aux familles d'accepter le suicide de leurs proches, et je cite, « L'acceptabilité peut trouver des limites avec les familles qui sont en conflit avec l'administration pénitentiaire ou avec les autres institutions concernées. Cette situation est probablement plus fréquente que pour des suicides dans les autres milieux, mais... la recherche pourrait être perçue comme un moyen de faire le jour sur une vérité cachée. » Voilà. C'est une parenthèse sur les fous dangereux qui nous entourent. Je pense que, je mets ça sous forme de boutade encore une fois, mais c'est un fruit direct de cet utilitariste quand il est réduit à cette espèce de... quand on sait, quand on voit, on sait, et quand on sait, on peut prévoir. Qui est en fait une croyance... C'est de l'ordre de la croyance, cette pensée. Et donc, plus la vue domine, plus je crois que les larmes s'effacent. Car elles relèvent d'une intériorité sur laquelle la vue n'a pas de prise. Elles ne sont pas quantifiables, elles ne sont pas mesurables, elles surgissent quand on ne les attend pas, etc. Est-ce que pour autant, l'absence de larmes figurerait une sorte d'âge adulte de l'humanité? Pas si sûr. Est-ce que la sécheresse des yeux... est liée à des sociétés dont la transcendance ne se manifeste plus comme avant? Peut-être. Est-ce que les mécanismes de contrôle qui envahissent l'espace public nous induisent à garder les yeux secs? Peut-être. Et pourtant, il me semble que c'est un malheur de ne pas pleurer. Alors, j'avais eu une fois une patiente qui souffrait depuis longtemps de problèmes de peau, une sorte d'eczéma suintant, vraiment, vraiment très invalidant. On l'avait elle-même hospitalisée en dermatologie. Les dermatologues nous ont dit que c'est sans doute des lésions induites, auto-induites. Je n'étais pas complètement convaincue. Dès qu'elle était à l'hôpital, ça allait mieux. Elle revenait en prison. Elle avait à nouveau ses lésions. Et on ne savait pas bien la traiter. Et un jour, elle nous a dit « Ma peau qui suinte, c'est mon âme qui souffre. Ce sont les larmes que je n'arrive pas à pleurer. » Et j'ai trouvé que c'était assez bien vu. Et cette femme, qui ne pouvait pas pleurer, donc, elle a finalement été jugée, et quand elle a pu être jugée, elle arrivait à se projeter dans l'avenir, et progressivement, les larmes, ces lésions cutanées ont guéri. Bon. Mais j'avais beaucoup été attentive, enfin ça m'avait marqué cette phrase, « Ma peau qui suinte, c'est mon âme qui pleure, mon âme qui souffre. »
Je ne vais pas trop vous citer, mais il y a des textes un peu similaires dans le texte de Fritz Zorn. Je ne sais pas si vous avez lu Mars. Bon, Fritz Zorn, c'est un jeune homme de Zurich qui a vécu dans une famille extrêmement riche, mais qui, selon lui, l'a anesthésié. C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment que la pathologie de sa famille était une anesthésie générale, donc il n'arrivait pas à sortir, et que c'est la maladie qui va le réveiller. Il va avoir un lymphome dont il va mourir. Il dit, par exemple, « Depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois avant de tomber malade. » Donc Zorn, c'est un pseudo, ça veut dire colère, il est en colère et la colère l'a réveillé. Et il va dire ceci concernant son lymphome, ce qui voulait dire à peu près que toutes les larmes que je n'avais pas pleurées et que je n'avais pas voulu pleurer au cours de ma vie se seraient amassées dans mon cou et auraient formé cette tumeur parce que leur véritable destination, à savoir d'être pleurée, n'avait pas pu s'accomplir. Il ne s'agit pas de faire de la psychologie à deux balles ou de la psychosomatique à deux balles, mais de dire... Il y a des expressions que des gens emploient pour signifier un sens de leur maladie qui méritent d'être entendues à la hauteur de ce qu'elles veulent dire. Donc ça mérite d'être reçu pour ce qu'elles disent. Si quelqu'un me dit « j'ai un problème de peau parce que je ne peux pas pleurer », ça mérite d'être entendu. Alors le malheur de ne pas pleurer, des moines l'ont thématisé bien avant... l'époque moderne, et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a quand même, je voulais marquer en entrée, le texte biblique et le savant fou de Balzac, parce que si l'Antiquité grecque pleure peu, l'Antiquité biblique pleure beaucoup, et dans la Bible, il y a beaucoup de larmes. Je ne vais pas vous en faire la liste, il y en aurait trop, mais si on prend simplement les évangiles, Jésus lui-même a pleuré à 3 reprises, vous pourrez aller voir, il pleure sur la dureté des habitants de Jérusalem, en Luc 19, 41. « Si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, mais non, il est demeuré caché à tes yeux. » Il pleure à la mort de son ami Lazare, touché par les larmes de sa sœur, à tel point que les Juifs se disent « Voyez comme il l'aimait. » Et l'Épître aux Hébreux rappelle que le Christ pleure à l'heure de sa mort, aux Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8. « C'est lui qui... au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. » Eh bien, parce que le Fils de Dieu, dans la foi chrétienne, a pleuré des larmes d'angoisse, de désolation et de douleur, chaque homme peut croire que chacune de ces larmes est désormais cueillie comme une perle fine par le Fils de Dieu. Chaque larme d'un fils d'homme est larme du Fils de Dieu. Et c'est Lévinas qui, dans une formule fulgurante, l'avait pressenti en disant, c'est dans « De l'existence à l'existant » chez Vrin à la page 155, « Aucune larme ne doit se perdre, aucune mort se passer de résurrection. » Eh bien, les chrétiens confessent que depuis les larmes du Christ, aucune larme n'est perdue. Et c'est à partir de cela que les moines vont théoriser tout le don des larmes. Pendant toute la période des moines du désert, puis dans la spiritualité monastique, et encore aujourd'hui chez les moines d'Orient, le don des larmes est une figure très importante de la vie spirituelle. Mais avant cela, je voulais vous parler de ce malheur qu'est de ne pas pouvoir pleurer, que les moines aussi thématisent sous la forme de l'acédie. L'acédie, c'est l'étymologie de « a privatif », Kédos, qui a pour sens le soin, précisément, la sollicitude, et notamment le soin que l'on donne à un mort, le chagrin et le deuil. L'acédie, c'est l'incapacité à prendre soin d'autrui. Autrement dit, c'est le souci de soi quand il n'est pas accompagné du souci d'autrui. Alors, ça va, je ne vais pas vous ressortir les citations, vous pouvez aller voir Évagre, qui est celui qui a fait les plus rigolotes recensions de l'acédie. Mais je vais vous le traduire un peu à ma sauce. C'est une sorte de fatigue, l'acédie, qui rend tout triste et terne, une sorte d'anesthésie qui rend insensible à la joie comme à la douleur. Une fatigue d'autant plus difficile à accepter que finalement ça va, malgré tout ça va. Et le danger de cette acédie, c'est le fatalisme, la capitulation. À quoi bon? De toute façon, on ne peut rien y changer. Tout est devenu trop compliqué. La tristesse se cache derrière cette acédie, ou en tout cas elle se déguise, et peut-être que la propension contemporaine à vouloir tout calculer, maîtriser,
a quelque chose à voir avec cette anesthésie-là. Et on consomme aujourd'hui des biens matériels beaucoup, peut-être aussi avec cette espèce d'anesthésie. Alors, Evag va décrire les moines du désert. Vous savez que le moine dans sa cellule, il doit garder la cellule parce qu'elle est le lieu d'unification de sa vie devant Dieu. Donc s'il sort de la cellule à un moment qui n'est pas opportun, ça veut dire qu'il est dispersé, qu'il n'est pas unifié devant Dieu. Et donc la cellule, ça va être la tentation de la fuite pour aller voir ailleurs si on y est. C'est la tentation de l'herbe qui est plus verte dans le champ d'à côté que dans son propre champ. Et finalement, le moine des Vagres va être dispersé, mais il ignore, et ça c'est une caractéristique de cette maladie du moine, il ignore qu'il est malade, il ignore qu'il est attaqué par le démon de la cédille. Il veut quitter sa cellule, être ailleurs que là où il est, quitter le lieu qu'il s'est choisi pour vivre, à l'heure où l'euphorie des débuts est passée. Et chez les anciens moines, la dureté du cœur est un signe de cette acédie, une maladie que Suran qualifie de spleen religieux. C'est une sorte de tristesse qui s'ignore elle-même, elle est plus que la fatigue, elle est un mélange de fatigue et d'ennui. On se prépare à faire quelque chose et puis une promenade, et au moment où on s'y met, on n'a plus envie. Ou bien on achète un livre et puis au moment de le lire, on n'a pas envie de le lire, on le repousse sur l'étagère, ou alors on le feuillette et puis voilà, on se dit « bon non, finalement c'est nul ». On va quelque part et puis on souhaiterait être ailleurs. On se réjouit à la perspective de recevoir une visite et au moment où la personne est là, on se dit bah, « vivement qu'elle parte ». Puis quand elle est partie, on dit quand même « elle aurait pu rester plus longtemps ». Donc ça, ça touche beaucoup de monde, ça touche beaucoup de situations, d'épreuves. Je pense que ça touche notamment le vieillissement, ça peut toucher des gens qui s'ennuient et ça touche évidemment les détenus. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et il me semble que c'est un peu le mal contemporain. Voilà, c'est un des traits contemporains. Et pour autant, les moines anciens et les moines d'aujourd'hui disent que c'est pas une maladie qui va toucher un ou deux moines. C'est un passage nécessaire de l'existence, en fait. Tout le monde est un jour ou l'autre frappé d'acédie. Donc n'en faisons pas un plat. Simplement, il y a des remèdes à cela. Et l'un des remèdes, ce sont les larmes. Parce que les larmes vont être le signe d'un réveil. Et les larmes vont nous aider à quitter l'anesthésie. Alors, je ne vais pas vous parler des autres remèdes, on pourrait y passer des heures, mais je voudrais juste m'attarder à ce don des larmes, qui est finalement une manière de se réveiller. Alors, les moines, en thématisant le don des larmes, il faut que j'accélère parce que là, je prends du retard, ont donné trois moments. Alors, il y en a qui ont fait des échelles de larmes avec 10 étapes ou 12 étapes. On va se contenter de ceux qui, en gros, en font trois. Et des larmes de purification, des larmes d'illumination et des larmes d'union. La purification, ça va être pleurer sur ses péchés, en fait. Donc, retrouver une sensibilité à soi. L'illumination, ça va être éclairer sa vie par une lumière neuve. Donc, regarder ailleurs, avoir les yeux lavés pour que la lumière puisse rentrer. Et les larmes d'union, ce sont ces larmes que les mystiques vont verser en ayant plus que le sentiment, enfin, en vivant l'expérience d'être unis à Dieu. On peut parfaitement lire cela dans un cadre chrétien du don des larmes, mais je pense qu'on peut le décaler à l'expérience des larmes en général, en fait. Et par exemple, dans un couple, vous vous engueulez avec votre conjoint, il va y avoir une sorte de larme de purification, vous n'êtes pas super fier de ce que vous avez fait, donc des larmes un petit peu serrées. En même temps, le moment de la réconciliation illumine vos yeux. Vous savez qu'en fait, vous êtes pardonné parce que votre conjoint vous aime. Et si vous lui demandez pardon, le pardon est déjà donné avant même que vous confessiez votre tort. Et les larmes d'union, c'est vraiment pour moi les larmes de joie qui nous dépassent, qui signifient que l'homme est plus grand que lui-même, que l'amour qu'on lui donne est plus grand que lui-même. Et ça, c'est l'expérience de tous les amoureux qui savent que en fait, ils ne méritent rien dans cette histoire, que cet amour est plus grand qu'eux. Et puis, il y a une autre caractéristique des larmes sur laquelle je voudrais quand même un peu m'attarder, c'est qu'elles sont une sorte d'instance critique. Et je pense que c'est pour cela qu'elles dérangent. Quand on reprend l'histoire monastique, elles vont apparaître en Égypte, chez les moines donc, du désert. Et puis au moment où les martyrs vont se faire plus rares, lorsque le christianisme va être reconnu comme religion d'État par l'empereur Théodose, la vie spirituelle va associer les larmes au sang, comme pour dire finalement, il n'y a plus de martyrs, mais le fait de pleurer, le don des larmes est une autre manière de verser du sang, ce que le fameux médecin Louis XIV appelait le sang de l'âme.
Donc il y a quelque chose d'un fluide vital, vivant, dans les larmes. Et elles vont avoir un pouvoir subversif, parce que dès qu'on tente de les systématiser, de les théoriser, d'en établir une technique, elles échappent. Et par exemple, elles apparaissent dans la vie du moine au désert, et quand l'Église est reconnue publiquement, elles disparaissent et elles vont réapparaître dans la vie monastique. Quand la vie monastique commence à faire des traités de théologie mystique, elles disparaissent et elles vont apparaître chez les femmes mystiques de l'époque moderne. Et on peut se demander, alors là ça mériterait qu'un anthropologue se penche sur la question, si les stigmates ne sont pas aussi une métaphore des larmes, une sorte d'échappée, comme si on ne pouvait pas mettre la main sur ce à quoi elles renvoient. Parce que la source des larmes est toujours inatteignable à la vue. Elle est hors du pouvoir de contrôle. C'est bien pour ça que les surveillants aimeraient bien pouvoir mettre la main sur les larmes, mais on ne peut pas, personne ne peut. La source des larmes est cachée, nul ne peut la saisir. Alors, elles sont bizarres parce qu'elles brouillent les catégories anthropologiques habituellement utilisées. Elles sont à la fois de l'âme et du corps. Elles relèvent de l'extériorité, puisqu'on les voit, et en même temps de l'intériorité, qui est invisible. Leur aspect purificateur, c'est qu'en fait, il y a un phénomène cathartique. Quand on pleure, on est soulagé, souvent. Quand on se sent autorisé. Alors moi, je dis parfois aux patientes, venez en consultation, là, vous pourrez pleurer tranquillement. Je ne vais pas demander aux surveillants qui vous réveillent toutes les deux heures, qui apportent le paquet de mouchoirs, et lâchez-vous, quoi. Et ça leur fait du bien. Il y en a qui me disent, je ne peux pas pleurer dans le couloir, sinon on va me recoller une surveillance toutes les heures. Donc, elles viennent dans la consulte pleurer. Donc, il y a un aspect cathartique qui peut être comme un soulagement. Et puis, je pense que les larmes donnent un éclairage sur soi-même. Donc, il y a bien cet aspect d'illumination, en fait. Surtout quand je crois aussi qu'on ne pleure jamais seul. On pleure devant quelqu'un. Alors, les gens qui sont seuls et qui pleurent leur ami ou leur conjoint qui est décédé, je pense qu'ils pleurent devant le conjoint qui s'est absenté, mais qui reste présent à leur vie. Et je crois qu'on pleure aussi devant Dieu. Et des gens qui ne peuvent pas pleurer, c'est bien souvent les gens qui sont extrêmement seuls. Et je pense qu'on a fait les uns ou les autres cette expérience. Vous gardez, vous essayez de prendre sur vous, vous tenez comme vous pouvez, vous avez votre ami qui arrive et là, vous vous mettez à pleurer. Donc la présence de l'autre apporte ce soulagement et puis ce dévoilement sur la réalité du chagrin. Et puis elles ont sans doute aussi une capacité unitive en ce qu'elles nous aident, et je reviendrai un peu après, à habiter l'écart que l'on est à soi-même. Les larmes, va nous dire un étymologiste célèbre, Isidore de Séville, ont à voir avec la déchirure intérieure, avec le fait que nous ne coïncidons pas avec nous-mêmes. Eh bien, peut-être que les larmes nous permettent non pas de faire comme s'il n'y avait pas de déchirure, comme si on coïncidait suffisamment avec soi-même, mais d'habiter la déchirure, d'habiter l'écart que l'on est à soi-même. Et je me suis demandé parfois si en prison, des gens qui ne pouvaient pas pleurer, donc je ne vois pas en garde la nuit souvent des gens qui s'automutilent, donc qui se coupent. Je me demande si l'automutilation n'a pas quelque chose à voir avec cette impossibilité à dire, soit par la parole, soit par le chagrin, que ça ne va pas. Il y a des gens qui se coupent, alors c'est tout à fait... J'ai un ami infirmier qui m'avait fait mettre le doigt dessus, parce que lui me disait, quand on fait un pansement d'escar à l'hôpital, les gens se taisent et ils se remettent à parler quand le pansement est fermé. Il avait remarqué ça. Et moi, je me suis dit, mais purée, c'est pourtant vrai. Et donc souvent, les gens qui se sont coupés, ils arrivent avec leur main en échelle de perroquet, ça saigne, c'est très théâtral, il y a du sang partout, bon, on nettoie, les gens disent rien. Et c'est qu'une fois que la plaie est suturée, soit qu'ils se mettent à parler, soit qu'ils se mettent à pleurer. Comme s'il y avait cette espèce d'éloquence du sang quand l'éloquence des larmes n'est pas possible. Alors, il me semble que les larmes sont un remède à l'utilitarisme contemporain. Donc, je vous avais mis une petite photo de Picasso, deux petits dessins de Picasso, qui a dessiné des femmes en pleurs. Alors, vous voyez que sur le dessin de gauche, ce qui nous saute à la figure, c'est d'abord que le visage est décomposé, au sens strict. Enfin, Picasso, c'est souvent décomposé. Le visage de droite, c'est pire, il est complètement plus encore décomposé, parce qu'il y a d'un côté les yeux, ailleurs les larmes, ailleurs les canaux lacrymaux, tout est éparpillé. Donc il y a un premier fait qui est la déchirure, si vous voulez, la décomposition. La deuxième chose qui saute aux yeux dans ce dessin, c'est le voile. Il y a le mouchoir qui est devant, qui est blanc, qui occupe toute la place.
Et sur le petit dessin à droite, là, on a l'impression que ce mouchoir, finalement, tient les yeux, tient les canaux lacrymaux. Voilà. Et donc, la présence de ce voile, là, il est comme un voile, d'ailleurs, est très importante. Et puis, dans le deuxième dessin, on a l'impression que les yeux, les larmes, sont comme suspendues, tenues en l'air par on ne sait pas quoi. Alors, c'est un peu facile, mais je trouve que c'est intéressant. Je voulais prendre ces trois moments, la déchirure, la suspension du temps, en fait, et le voile, comme trois réponses à l'utilitarisme contemporain, comme si les larmes, et donc la consolation des larmes, étaient un remède à l'utilitarisme contemporain. Finalement, à la prédominance de la surface dans l'utilitarisme va correspondre le fait que les larmes dévoilent la profondeur tout en la voilant. C'est-à-dire qu'à la fois ça vient de la profondeur de l'être et en même temps ça reste secret, on ne peut pas mettre la main sur l'origine des larmes. À la difficulté de penser, comment dire, de penser le changement, l'utilitarisme, il veut des procédures qui soient tout le temps les mêmes, donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de changement. Le moment des larmes, il me semble qu'il, et ça encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut avoir rencontré, il suspend la rencontre. Moi, quand je suis dans une consultation avec une femme qui pleure, et que moi-même je suis émue, il y a une sorte de parenthèse du temps. On est, tout est suspendu, et ce n'est plus un patient et son médecin qui sont là, mais c'est deux personnes dans leur vulnérabilité qui partagent quelque chose de la vulnérabilité humaine, ce que le philosophe Jan Patočka appelle la solidarité des ébranlés, que je trouve une très belle expression. Donc, comme si finalement, cette suspension du temps était une sorte de remède à un temps qui est toujours calculable, mathématisable, etc. Et puis, il me semble que la conception de la vérité comme mystère répond à ce qu'on pourrait penser être l'exactitude qui n'est pas la vérité. Alors, je vais terminer sur ces trois temps. Donc, tout d'abord, la déchirure. Je vais essayer de faire un petit peu vite. La difficulté de penser le corps, donc je pense que vous avez déjà eu un certain nombre d'interventions sur la complexité du corps, je vais être un peu rapide, tant pis, c'est que finalement, la difficulté de la médecine en soi, c'est qu'en fait on est nécessairement contraint d'avoir affaire à la fois au corps dans sa matérialité et au corps existentiel, et qu'on est planté complètement, et on vasouille à cause de ça, et c'est ça aussi le charme du métier. Et si ça vous intéresse, vous irez voir la préface de Paul Ricoeur à un rapport d'Amnesty International de 1990 sur médecin torsionné et un médecin résistant, où il dit grosso modo, la médecine en soi risque toujours d'être torsionnaire, parce qu'elle risque toujours d'objectiver le corps d'autrui. Le chirurgien, quand il ouvre le ventre de quelqu'un, heureusement qu'il ne pense pas que c'est quelqu'un, mais qu'il pense que c'est un ventre, il ouvre une parenthèse, il fait son travail, il ferme la parenthèse, donc il s'occupe du corps dans sa matérialité, ce que les Allemands appellent le Körper. Il ne s'occupe pas tout de suite du corps existentiel. Par contre, dans la relation avec le patient avant l'opération et après, il va évidemment s'occuper du corps qu'est le patient, et non pas seulement du corps qu'il a. Et la médecine en soi est subversive précisément pour ça. C'est-à-dire qu'on est autorisé, du fait de notre métier, à transgresser le fait que le corps n'est pas seulement un corps dans sa matérialité, mais qu'il est aussi un sujet. Concrètement, moi, si je suis à mon travail et que je fais une injection intramusculaire anti-inflammatoire à un monsieur qui a une sciatique, je fais mon travail. Maintenant, si je le poursuis dans la rue avec une aiguille et une seringue pour lui percer les fesses, je transgresse. Donc, on voit bien que le métier en soi, selon la situation, risque toujours d'être une transgression. Et la médecine, elle a toujours la potentialité d'être torsionnaire parce qu'elle veut toujours ne considérer l'autre que dans sa matérialité comme un objet et non comme un sujet. Il y a des milieux, disait Paul Ricoeur, où ce risque est plus important. Les milieux où le risque est plus important, c'est les hospitalisations sous contrainte en psychiatrie, c'est la médecine d'expertise, quand un expert va rendre un compte à un juge ou à la police, et c'est la médecine dans des lieux d'enfermement comme la prison. Donc en fait, nous sommes toujours déchirés entre le corps que nous avons et le corps que nous sommes. Et bien peut-être, une hypothèse, ce serait que les larmes sourdent de cette déchirure-là. Donc Isidore de Séville, dont je vous parlais tout de suite, il voyait dans le déchirement l'une des étymologies supposées du latin lacryma. Le mot viendrait, selon certains,
de lacerazione mentis, de la lacération de l'esprit. Comme si les larves naissaient de ce lieu sans nom où l'homme découvre qu'il ne coïncide pas avec lui-même. Eh bien, peut-être que les larves permettent d'habiter cette déchirure, en fait. Comme si, finalement, elle la rendait adoucie, elle venait la penser. Comme si elles étaient une puissance d'extériorisation de la déchirure intérieure et une puissance de cautérisation. En fait, les larmes sont l'extériorisation d'une douleur, et au moment même où elles manifestent la douleur, elles la vident de son venin. Celui qui est puissant pour penser ce type de phénomène, c'est vraiment Hegel. Donc je vous ai mis la citation parce qu'elle est quand même un peu dense, et vous pourrez la relire tranquillement. Il dit ceci dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Hegel, c'est quand même, moi je suis assez admiratif, il a un peu pensé à tout. Dans les pleurs s'extériorise le déchirement intérieur provoqué par un négatif de l'être sentant, la douleur. Les larmes sont l'exutoire critique, donc non pas seulement l'extériorisation, mais en même temps la séparation d'avec soi par extériorisation de la douleur. Par conséquent, dans le cas de grandes souffrances présentes de l'âme, elles agissent sur la santé d'une façon aussi bienfaisante que la douleur qui ne fond pas en larmes peut devenir funeste pour la santé et pour la vie. C'est tout à fait impressionnant que sa puissance spéculative arrive à penser ça. Donc la possibilité de pleurer devant quelqu'un, ce serait la possibilité d'extérioriser le déchirement sans être déchiré, de restaurer l'unité au cœur même du déchirement, en perdant la maîtrise, en s'abandonnant à l'impuissance, voire à la déchirure. Celui qui se laisse aller aux larmes trouve paradoxalement une autre puissance unificatrice de son être. Autrement dit, il se tient dans le déchirement sans être déchiré. Et c'est parce qu'il se tient dans le déchirement qu'il n'est pas déchiré. Un truc paradoxal. Donc, première hypothèse, le déchirement des larmes extériorisé permet de supporter le déchirement existentiel. Deuxième hypothèse, ces fameuses larmes subversives. Je pense que les larmes sont subversives, c'est un peu l'exemple que je vous donnais, parce qu'elles suspendent le temps chronologique et qu'elles nous permettent, quand on est en présence de quelqu'un qui pleure, d'être présent à l'autre. Et l'exemple de départ, l'hypothèse de départ, je suis ébranlée par les larmes d'autrui, c'est un moment de pure présence à l'autre. Donc là, tout est suspendu, je suis là avec lui, je suis là pour lui, il est là pour moi. Le temps, finalement, peut être déchiré par l'irréversible. Il y a une sorte de déchirure du temps parce que ce qu'on a fait ne reviendra pas. Bon, disons, c'est beaucoup ça. Hein. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas voulu faire, c'est trop tard, le temps est déchiré, je ne peux pas revenir en arrière. Et pour autant, la temporalité est déchirée aussi au moment des larmes parce qu'elle est suspendue et qu'elle ne se réduit pas au temps chronologique. Et physiquement, presque, je dirais, en tout cas, mot à mot, cette suspension du temps quand je suis en prison devant quelqu'un qui pleure et que je suis moi-même ébranlée, c'est immédiatement une suspension du jugement. Je ne juge pas, je suis hors jugement à ce moment-là. Je passe. Et troisième point sur lequel je vais insister un tout petit peu plus, la question de la vérité et du mystère. Finalement, la déchirure de l'existence révélée par les larmes nous suggère que cette déchirure est toujours voilée. Le regard de celui qui pleure est voilé. On parle du voile des larmes. Hein. Et le mouchoir de Picasso est justement là pour nous rappeler cette histoire de voile. Le voile des larmes vient mettre du flou dans la surface, dans les vagues, dans le relief, dans la profondeur. Ça vient mettre de l'incertitude, ça vient mettre de la profondeur. Voilà, elles viennent brouiller la vue. Et c'est une antidote à la folie scopique, je crois, que d'avoir les yeux brouillés. Et alors, je voudrais conclure par les larmes et le secret. Parce qu'il me semble, alors je m'intéresse beaucoup à cette histoire de secret médical, je trouve que c'est très compliqué, j'arrive pas très bien à comprendre de quoi il s'agit. Peut-être un jour, j'en écrirai quelque chose, mais je trouve que c'est très compliqué. Et intuitivement, il me semble qu'il y a un rapport entre les larmes et le secret. D'abord parce que on n'a pas accès, comme je vous disais, à la source des larmes. Ensuite, là encore, ce sont les poètes qu'il faut aller lire. Victor Hugo, par exemple, disait
qui ne pleure pas ne voit pas. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les aveugles qui peuvent pleurer. Donc il y a une capacité des larmes à voir. Et un autre écrivain qui a écrit un magnifique texte que je vous invite à lire, Jean-Loup Charvet, qui a écrit « L'éloquence des larmes », c'est un monsieur qui est musicien et qui a écrit un texte sur les larmes dans la musique baroque, et qui est mort peu après, en fait, à avoir écrit ce texte, donc il est mort à moins de 40 ans, et son texte est une merveille. Et il écrit « Comme l'aveugle voit l'invisible, la larme aperçoit l'âme ». Donc, la larme, finalement, elle voit qu'il n'y a rien à voir. Et je pense que c'est ça, un des lieux du secret, finalement. Le voile des larmes va protéger l'intimité au point qu'on ne pourra pas mettre la main dessus, on ne pourra pas arraisonner ce qui est le plus précieux de nos vies. Elles viennent conférer à celui qui pleure un autre savoir. Elles ne cherchent tout simplement pas à connaître. Elles mettent entre parenthèses la connaissance, elles la suspendent, elles sont hors jugement. Et du coup, la connaissance, on change de type de connaissance. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui pleure, vous connaissez au sens biblique du terme parce que vous l'aimez. Vous êtes présent à lui. Donc vous ne savez pas ni pourquoi il pleure, ni quelles sont les raisons de son chagrin, ni comment faire, mais pour autant, il y a une connaissance qui est une connaissance de relation, qui n'est pas une connaissance objectivante. Et c'est ça le changement, en fait, et c'est ça la connaissance qu'apportent les larmes, qui finalement sont une sorte de pure présence. Alors, dans les mystiques qui pleurent, beaucoup d'entre eux pleurent en secret. François d'Assise va se cacher pour pleurer, il va cacher ses stigmates. Dominique, notre père Dominique, pleure la nuit quand il est seul avec son Dieu. Et dans un tout autre registre, Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, quand il rentre chez lui, il va rentrer à Ithaque, et alors il y a les musiciens qui jouent de la musique, et alors il se souvient de toute son aventure, et quand il se souvient de tout ce qui s'est passé, il se met à pleurer, et va nous dire le texte, il pleure en étant caché. Martin Heidegger a tout un commentaire sur les larmes d'Ulysse en se disant, il n'est pas caché des autres quand il pleure, il se cache à lui-même quand il pleure. Il ignore lui-même qu'il pleure, comme finalement si les larmes étaient un voile qui était versé sur lui-même, comme s'il était lui-même inconnaissant de lui-même quand il pleure. Autrement dit, les larmes d'Ulysse, elles ne sont pas occultées, il n'est pas caché, tout le monde voit qu'il pleure, mais pour autant elles sont scellées, elles gardent le secret. Elles sont scellées pour lui, elles manifestent le mystère que nous sommes à nous-mêmes, qui est plus qu'une énigme, qui est quelque chose qui est plus grand que nous, sur lequel nous ne pouvons pas mettre la main. Bien, je crois que le secret des larmes, il est constitutif de leur manifestation. À mesure qu'elles coulent, les larmes se mettent à l'abri de toute intrusion scopique. Elles portent en elles leur propre profondeur, leur retenue et leur secret. Elles portent en elles leur opacité. Elles ne peuvent pas être soumises à la transparence, parce que la transparence, c'est leur absence. La transparence, c'est le règne des yeux secs. Et il ne faut sans doute pas chercher à percer le mystère des larmes. Elles n'existent que d'être mises à l'abri dans le voile, en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tableaux de Picasso, où les larmes sont toujours cachées par le voile du mouchoir. Et peut-être que les larmes sont à elles-mêmes le mouchoir qui les voile elles-mêmes. Quel rapport, me direz-vous, avec le secret ? Bien, il me semble que... Je vais pas regarder mon texte, comme ça je suis sûre d'aller plus vite. Il me semble que le secret médical, ce n'est pas seulement taire des informations qui seraient venues à notre connaissance, mais c'est aussi fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. Et donc fermer les yeux sur le mystère qu'est l'autre. Derrida disait « Autrui est secret parce qu'il est autre ». Je vous rappelle le texte du serment d'Hippocrate, « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. » Réécrit en langage contemporain dans le code de déontologie médicale, ça donne ceci. « Le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Mais dans un endroit comme la prison, préserver le secret médical, c'est évidemment pas dire à tout le monde « Madame Machin a une hépatite B », mais c'est plus encore fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître de la vie du détenu, si ce n'est en lui posant la question à lui si vraiment on a besoin de le savoir. Mais en aucun cas, aller chercher dans tous les dispositifs, et Dieu sait s'il y en a, panoptiques du milieu, pour savoir ce qui se passe en détention. Aujourd'hui, par exemple, on est envahi par des logiciels qui remplacent les cahiers papier des surveillants, sur lesquels ils marquent tout ce qui se passe dans la cellule, comment ça va, machin, et ils nous invitent, tranquillou, à remplir nous aussi notre partie. Est-ce que monsieur fume? Est-ce que monsieur boite? Bon. Est-ce que monsieur est suivi par le psychiatre? Ah, bon. Et donc, il s'agit non seulement de dire nous ne remplissons pas un logiciel, un dispositif pénitentiaire avec des informations médicales, évidemment non, et moi j'insiste pour qu'on ne regarde pas ce que les surveillants écrivent, parce que ça ne nous concerne pas, et que le secret médical, c'est fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. On voit qu'en prison, par exemple, au début, quand on arrive, on a envie de savoir pourquoi les gens sont incarcérés, et assez vite, si on est honnête, on s'en fiche, parce que ça n'a pas d'intérêt, en fait. Je pense que ça participe de passer, de ne pas dire ce que l'on a vu, à ne pas voir ce qui n'est pas à voir, un peu à la façon dont Lévinas dit que la couleur des yeux d'autrui n'est pas à connaître. Que connaître quelqu'un, c'est connaître quelqu'un sans savoir quelle est la couleur de ses yeux. Manière de dire qu'autrui n'est pas à disposition. Eh bien, l'apprentissage de la vérité, c'est peut-être l'apprentissage du secret dans sa dimension d'inconnaissable. Les larmes en voilant le regard permettent de voir autrement. Elles enseignent que la déchirure qui traverse l'être humain n'est pas immédiatement accessible, qu'elle est l'autre nom de l'unité d'un être. Ce qui est vu dans la brume des larmes, c'est que contrairement aux choses, l'être humain vivant n'est pas pure extériorité dont on ne peut tout connaître quand on voit tout. Aujourd'hui, on peut presque tout connaître de quelqu'un sur les réseaux sociaux. On peut savoir le nom de ses amis, ses goûts, ses activités, son style, ses voyages. Mais quand on est témoin de ses larmes, là, finalement, on comprend qu'on ne le connaissait pas, mais que maintenant, on commence un petit peu à le connaître. Et si quelqu'un est présent à ce moment-là, dans la discrétion de l'ombre ou de la nuit, une autre connaissance advient, une connaissance dont on ne sait rien, une connaissance qui ressemble à celle des mystiques qui ne savent rien de Dieu et qui pourtant s'enfoncent dans un nuage d'inconnaissance qui est peut-être le mode ultime du connaître. J'ai été trop longue, excusez-moi. On ne pleure vraiment qu'en perdant ses larmes, comme on ne croit vraiment que si l'on a parfois douté, écrit encore Jean-Louis Charvet. Alors évidemment, cette méditation reste ouverte. Je ne sais pas si j'ai parlé de consolation, mais peut-être que vous aurez compris que le fait de pleurer est déjà en soi une consolation, puisque les larmes indiquent un ailleurs. Elles se perdent, elles emmènent avec elles leur mystère, et en exprimant l'inexprimable, en disant l'insupportable, elles aident à le porter. Et elles peuvent porter l'impossible, et quand même il faut terminer là-dessus, jusque dans la joie, quand la grandeur de l'homme, découverte au creux de sa misère, pourrait le faire vaciller. Elle touche à la transcendance, et ce n'est pas le moindre de leur mystère. Et je vais terminer par cette citation de Pascal, dans le Mémorial. J'utilise la version de Francis Kaplan aux éditions du Cerf, en bonne fille. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum, ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que parmi les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. D'abord, je vous remercie parce que vous avez parlé des yeux secs de la modernité et je trouve que vous nous avez donné à sentir ce que le philosophe Charles Taylor appelle une moralité chaude et épaisse. Et là, il y a quelque chose à travers toute cette réflexion de beau, de chaud, d'épais. Et c'est ce qu'on essaiera, j'espère, de poursuivre la semaine prochaine quand on parlera de l'éthique, de la pitié, de la question de la pitié qui est quand même très en lien avec la question de la consolation. Merci beaucoup. Merci.